Nous pouvons lutter contre la solitude et nous livrons à des actes de gentillesse aléatoire. Gail Honeyman. La maladie de la solitude est plus que jamais de l'actualité. Notre pandémie en est la preuve. Et les personnes qui ont besoin de se retrouver peuvent être habituées à ne pas avoir de contact social. Cette familiarité ne diminue en rien le besoin humain fondamental de connexion. Tendez la main à une personne qui vous connaissez et qui s'est habituée à l'isolement en l'invitant à rejoindre le monde. Vous lui donnerez peut-être l'élan nécessaire pour sortir de la solitude et entrer à nouveau dans le monde. Un mot bienveillant pour guérir la solitude.